L'ours qui jouait du piano. Une histoire de David Litchfield. L'ours qui jouait du piano, publié chez Belin Jeunesse. Ce matin-là, au cœur de sa forêt, l'ours découvre une chose étrange, très étrange. Qu'est-ce que c'est que ça ? Se demande-t-il. Tout doucement, il s'approche et il pose sa grosse patte dessus. Boum ! Quel bruit terrifiant ! L'ours s'en va, méfiant. Mais le jour suivant, il revient. Puis, le jour d'après, et semaine après semaine, mois après mois, année après année, l'ours apprivoise cette chose étrange. Les sons qui en sortent sont de plus en plus beaux. L'ours est si heureux lorsqu'il joue. Son esprit vagabonde au-delà des arbres, au-delà des nuages. Très vite, tous les ours de la forêt sont attirés par ces sons enchanteurs. Ils sont chaque soir de plus en plus nombreux à venir écouter l'ours jouer. Et un jour arrivent deux nouveaux spectateurs. Une petite fille et son papa. Quand l'ours a fini de jouer, il court pour le féliciter. « Tu es un merveilleux pianiste !» s'écrie-t-il. L'ours apprend enfin le nom de cette chose étrange. C'est un piano. « Viens avec nous, » dit la petite fille. « En ville, tu joueras devant des centaines de personnes. Ce sera formidable, tu verras. Tes poils se dresseront sur tes bras. » L'ours hésite. Saura-t-il vivre loin de la forêt, loin de ses amis ? L'ours réfléchit. Quelle chance ce serait de partir vers de lointains horizons et de découvrir d'autres musiques, de jouer encore mieux. Et il prend une grande décision. Il embarque pour une nouvelle vie. L'ours devient la coqueluche de la ville. Son nom s'étale en gros, en très gros sur les affiches. Il donne des concerts à guichets fermés. Ça veut dire qu'il n'y a plus une seule place. Tout est rempli. Il joue avec une telle passion, une telle grâce, que chaque soir, le public se lève et l'applaudit à tout rompre. Les albums de l'ours se vendent à des milliers d'exemplaires. Ce sont ses disques, comme à la maison. Il vend des disques où on entend la musique. Avec ça, il gagne les plus belles récompenses. Partout où il va, il fait la une des journaux. Cette nouvelle vie lui offre tout ce dont il peut rêver. Mais au plus profond de son cœur, l'ours sait qu'il lui manque l'essentiel. Sa forêt lui manque, sa maison lui manque, ses amis lui manquent. Alors l'ours prend une grande décision. Il quitte la ville, et traverse le fleuve. Fou de joie, il retrouve sa forêt. Mais lorsque l'ours arrive, là où il a donné tous ses premiers concerts, au cœur de la forêt, il n'y a plus rien, plus de piano pour jouer, plus personne pour l'écouter. L'ours est inquiet. Ses amis l'ont-ils oublié ? Sont-ils en colère parce qu'il les a quittés ? C'est alors qu'il aperçoit l'un de ses vieux copains. « Bonjour, je suis de retour, » dit l'ours. « Vous m'avez tant manqué. » Sans dire un mot, son vieux copain s'enfuit.
Attends, je suis désolé d'être parti ainsi, crie l'ours en se lançant à sa poursuite. Et un peu plus loin, ses poils se dressent soudain sur ses bras. Oh ! Il retrouve son piano, son merveilleux piano est là. L'ours n'en revient pas. Ses amis ne l'ont pas oublié. Ils ne sont pas en colère. Ils sont fiers. L'ours sait maintenant que quoi qu'il fasse, où qu'il aille, il pourra toujours compter sur eux. L'ours raconte ses concerts, ses succès, les honneurs qu'on lui a faits, puis il s'assoit derrière son piano et il joue de tout son cœur pour le plus grand des publics, ses amis. Fin. Et voilà. J'espère que ça t'a plu, mon chéri. Je t'aime très fort.